profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre. Serait-ce moi, Seigneur? Celui qui vient de se servir en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux, l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, il vaudrait mieux que cet homme-là ne soit pas né. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Il a dit. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le remplit et le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous l'ai dit, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, mais qu'au jour où je boirai un vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit: cette nuit, je serai pour vous une occasion déchue, car il est écrit: je frapperai les bergers et les brebis du troupeau seront dispersés. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit: si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. Vraiment, je te l'ai dit, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras régné trois fois. Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parlait avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit: restez ici pendant que je m'en vais là-bas pour prier. Il emmena Pierre ainsi que les deux fils de Zébédée et commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors: mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière: mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: ainsi vous n'avez pas eu la force, de veiller une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il retourna prier une deuxième fois. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près de ses disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit: désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. La voici, toute proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, les voici, tout proche, celui qui me livre. Thank you.
j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit : Mon ami, fais ta raison. Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui était avec Jésus porta la main à son épée, l'attira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Rends ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon père qui mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges? Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures? D'après elles, c'est ainsi que tout doit se passer. À ce moment-là, Jésus dit aux foules : Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées, des bâtons? Chaque jour, j'étais assis dans le temple où j'enseignais et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta deux qui déclaraient : Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et lui dit : Tu ne réponds rien à tous ces témoignages portés contre toi ? Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit : Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. C'est toi qui l'as dit. Mais en tout cas, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant : Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis ? Il répondit : Il mérite la mort. Alors ils lui recrachèrent au visage et lui donnèrent des coups. D'autres le giflèrent en disant : Fais-nous le prophète, Messie. Qui est-ce qui t'a frappé ? Quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui : Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il nia devant tout le monde : Je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se retirait vers le portail, une autre le vit et dit aux gens qui étaient là : Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, Pierre le nia : Je jure que je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre : Sûrement, toi aussi tu fais partie de ces gens-là. D'ailleurs, ton accent te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer en appelant sur lui la malédiction. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre sera